un bon physique, le Kalinien Tep. Et je dis ça, et il passe le ballon à l'adversaire. C'est un petit peu fatigué hein, par rapport au pressing qu'il vient de faire précédemment. Il manque de lucidité. Dans... Allez, il faut faire l'effort, Entep. Il lâche Yaoumtiti. Yazuma. Il n'y a pas beaucoup de solutions là. Le Kazakh, là, directement dans les bras de Pokatilov. Mais c'est vrai qu'il y a concurrence entre Boucher et Areola. Il était excellent avec les moins de 20. Héroïque, même. Héroïque, il a vraiment franchi un palier. Hein. Alphonse Areola. Il a été vraiment très décisif, on le critique un petit peu pour ses sorties aériennes, son manque d'efficacité par moment, son manque de concentration, mais en tout cas il a été performant, décisif dans les, en demi-finale et bien sûr en finale. Les Kazakhs en tout cas tout de suite en difficulté, comme ça a été le cas lors des 45 premières minutes. On a vu Loïc Lambre se positionner vraiment au poste tenu par Kurzuma en première mi-temps, défenseur central droit. De petits tirs. Toujours ce même problème récurrent côté du Kazakhstan. Remonter ce ballon. Le bon pressing haut et toujours Jordan Ferry, impérial en première période. Tout de suite, le France Kozabayev n'a pas d'autre solution. Les lignes sont vraiment, on le voit resserrer. Très peu d'opportunités pour ces joueurs kazakhs. Toujours donc on utilise ce problème. Passer dans la moitié de terrain française. Alors, il y a un bon pressing des Français, mais il y a très peu d'inspiration aussi à ces joueurs-là. Ça, c'est... Il est vraiment mieux à faire, garder ce ballon pour permettre à son équipe de remonter plutôt qu'essayer de la jouer. Kalkin. Et quand on constate que la France menait 3-0 à partir de 18 minutes, on prend que la situation.
Номер 17.